fou cette histoire. Comment tu as fait ? Messieurs, dames, bonjour. Bienvenue dans l'épisode 8. Ça commence à faire beaucoup. J'espère qu'on va atteindre l'épisode 10. Puisque notre Luc, grâce à ses qualités incontournables de ses vidéos, vient d'avoir une proposition chez Marc Dursel. Donc il va peut-être nous quitter. Mais profitons de sa présence tant qu'il est encore là pour vous présenter deux athlètes à moi, Philippe et Régis. Alors deux athlètes que je prépare pour Men's Physics pour la compétition de Musclemania 14 octobre. C'est vraiment un plaisir de travailler avec eux, deux garçons très polis, toujours à l'écoute, très sérieux et des vrais passionnés. Donc je les laisse se présenter et ensuite je vous expliquerai le programme d'aujourd'hui. Bonjour Amif, moi c'est Régis, j'ai 20 ans, je connais ça via sur Instagram, j'ai vu un live. Justement, je faisais des posing et je me suis posé la question, tiens, est-ce que tu coaches tout ça? On a dit que ouais, donc forcément, on a commencé un travail de coaching, de compétition. Et franchement, ça s'est très, très bien fait en fait. Il y a tout qui s'est créé et voilà. Ça fait depuis mars que je suis avec Essan. Au début, j'étais à 70 kg. Là, je suis à 84 kg, plutôt assez propre. Donc franchement, j'en suis du fond du cœur car sans lui, je n'aurais pas aussi atteint un poids aussi important en si peu de temps. Donc franchement, je remercie du fond du cœur et j'espère que la vidéo va vous plaire. Ouais, salut tout le monde. Donc moi c'est Philippe, j'ai 25 ans. Ça fait maintenant 4 mois que je travaille avec Essan. Je l'ai connu sur Instagram, donc je le suivais, je regardais ses photos de temps en temps. Et un jour j'ai décidé de le rencontrer. Et donc je l'ai rencontré à la boutique et Essan m'a expliqué sa façon de travailler et j'ai tout de suite apprécié en fait. Il m'a tout de suite boosté, tout de suite motivé et je pensais la preuve, hein, je ne pensais jamais faire une compétition et aujourd'hui je me retrouve là aujourd'hui en train en prépa pour Musclemania et donc je remercie Essan parce qu'il a su me booster, me motiver et donc là j'ai commencé avec Essan donc il y a 4 mois. J'étais à 83 kg. Aujourd'hui, je suis à 91 kg, fibreux. Donc, c'est du beau travail et c'est que le début en fait. Et je sais que c'est parti pour un bon moment avec Essan. Et en tout cas, je te remercie. C'est un honneur de travailler avec toi Essan. Bah, merci beaucoup, les gars. Vous savez que je ne suis pas très à l'aise encore une fois avec les compliments. Les résultats que vous avez atteints, c'est grâce à votre sérieux encore une fois. À votre détermination. Ils vont se changer. Je vous explique ce qu'on va faire aujourd'hui. Ensuite, on vous montre tout ça en pratique. A tout de suite. Alors, avant de vous expliquer rapidement la séance d'aujourd'hui, pendant qu'ils sont en train de s'échauffer, je vais revenir sur un sujet qui apparemment vous intéresse beaucoup. Vous n'arrêtez pas de m'en parler. C'est ce fameux « le temps de repos n'existe pas ». Qu'est-ce que ça veut dire « le temps de repos » ? En fait, au-delà que ça vous permet de faire une récupération musculaire entre les séries, quand je mets personnellement 1 minute 30 et que je tiens à ce que ces 1 minute 30 soient respectées en temps de repos, qu'est-ce que je cherche vraiment? Selon moi, une des règles les plus importantes pour progresser dans la musculation, c'est de garder à peu près le même rythme cardiaque pendant toute la séance. Si vous faites 1 minute 30, 2 minutes, 3 minutes, si le temps de repos se varie à chaque fois, bah, on ne peut pas garder vraiment ce même rythme cardiaque. Deuxièmement, garder le même temps de repos, ça vous permet, statistiquement parlant, de voir vos progressions en force et aussi en performance au fur et à mesure des séances. Et la dernière chose, la plus importante, garder le même temps de repos, les gars, ça vous évite énormément de blessures. Je vous donne un exemple. Si vous faites une série de développés couchés haltères à 30 kg, vous prenez 1 minute 30. Vous faites une deuxième série et ensuite vous prenez 5 minutes. Bah, entre-temps, les muscles se sont refroidis. Donc là, vous repartez sur les mêmes haltères de 30 kg et vous risquez de vous blesser. Donc c'est très très important de garder vraiment le même temps de repos pendant toute la séance. Quand je dis le temps de repos n'existe pas, c'est-à-dire en fait entre les séries, le temps de repos que vous prenez, c'est le temps
que vous devez vous concentrer sur la prochaine série. Donc vous êtes encore dans la séance, donc c'est pas un temps de repos, d'accord? Parce que vous n'êtes pas, si vous voulez, déconcentré, vous êtes dedans. C'est ça que je veux dire quand je dis le temps de repos n'existe pas. Donc aujourd'hui, on va faire les pecs avec Philippe et Régis. La chance que j'ai eue avec ces deux athlètes, c'est que quand on a commencé à travailler ensemble, ils n'avaient pas fait beaucoup de dégâts à leur corps. Qu'est-ce que je veux dire par là? La plupart d'entre nous, quand on commence la musculation, on ne part pas sur des bonnes bases. Soit on regarde ce qui se passe sur Internet, soit on prend des programmes sur Internet qui ne sont pas personnalisés, soit on demande conseil aux gens qui sont un peu plus expérimentés à la salle de sport. Et eux, gentiment, ils vous expliquent, mais ils ne vous rendent pas vraiment service. D'accord? Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, bien sûr, vous allez progresser physiquement parlant, mais vous allez vous retrouver avec un corps qui n'est pas harmonieux parce que vous n'avez pas fait les exercices qu'il vous faut, justement, qui correspond à votre corps. Et une fois vous voulez, si vous voulez réparer tous ces dégâts-là, ça prend encore plus de temps que ce que vous avez mis pour la construction de votre corps. N'oubliez pas, la rénovation est toujours plus difficile que la construction. Je n'ai pas eu ce problème avec Diaz, avec Régis et Philippe, parce que quand on a commencé ensemble, ils avaient un corps plutôt, sans, comme je vous ai dit, pas trop de dégâts. Donc, j'ai pu vraiment faire ce que j'avais en tête sur leur corps. Et aujourd'hui, je me retrouve avec deux corps très, très harmonieux. Et vous allez voir ça à la fin de la séance. Donc, je vous dis à tout de suite pour l'entraînement des pecs d'aujourd'hui. Alors, Diaz, t'es prêt? Bonjour. Alors, tu m'en fais 5. Okay. Alors, Philippe, tu peux rester là. Quand je te dis de décharger, tu décharges avec moi. OK? Donc, le double de largeur d'épaule. Ouais, d'accord. C'est bon? T'es prêt? Allez, c'est parti. 5. 1. Donne du rythme. 2. 3. 4. Et 5. Pause. On repart. 1. 2. 3. 4. C'est parti. Allez. 1, 2, 3, 4 et 5. Pause. Allez. 1, 2, 3, 4, 5. C'est parti. Allez, on y va. Allez. 1, 2, 3, 4, dernière. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4 et 5. Pause. C'est parti. 1, 2, 3, 4 et 5. Une, deux, trois, quatre, et cinq. Une, deux, trois, quatre, et cinq. Allez, go. Bouge, trois. C'est pas lourd. Une, doucement, 3, 4, 5. Une, concentre-toi. 2, 3, 4. Allez, tu peux le faire, tu peux le faire. Allez.
Concentre-toi. Allez. Je suis là. Allez, bon. C'est bien. Deux. Allez. Pause. Allez, il t'en reste deux. Concentre-toi. Allez. Et tu finis. C'est parti, je suis avec toi. Encore. C'est à moi, Allez. C'est parti. Allez, fais. Continue. Et 5, c'est bon, pause. Allez, doucement. 1, 2, 3, 4, 5. Ils sont là, là. Tu souffres? Pas encore. C'est bien. Les quatre séries de développé incliné avec la barre comme vous avez pu voir, et là on enchaîne sur développé pec assis avec la machine. Il y a des gens qui pensent qu'en fait les machines ne servent à rien, ils aiment pas, mais croyez-moi, elles sont très très efficaces. Intégrez aussi des exercices à la machine dans vos programmes, vous allez être surpris. T'es prêt, Philippe? Allez, fais-moi 10, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10e bien. Voilà. 1, un peu moins. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Complet. 1, 2, et bien. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tu pars sur négatif. Allez. Maintenant, 1, 2, et bien, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, allez, encore, 10, encore, c'est bien. Parfait. C'est bien. Allez, encore. C'est bien. Oh, c'est bien. Putain. Allez, respire. Lève-toi toujours. Allez, toujours. Marche. Reste jamais assis. Quand tu marches, ça te permet au sang de circuler, tu vois. Reste jamais assis, ça va te casser. Régis, c'est parti. Ton tour. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, viens. C'est bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Complet.
Une. Voilà. Voilà, garçon. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Neuf. Dix. Négatif. Une. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Voilà. Six. Sept. Huit. Neuf. Allez, allez, allez. Dix, reste là. Reste là. Reste là. Concentre-toi. Allez, maintenant. Donne-moi ça. Allez. Allez, c'est bien. C'est bien. Encore, 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 encore. Encore. Allez. Ça fait mal ou pas? Ça fait mal ou pas? Voilà, encore. Encore. Allô. Tu comptes jusqu'à 14 et tu relâches. Au fur et à mesure. Au fur et à mesure. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. 5. Allez, lève-toi. Très bien. Serre les poignets. C'est bien. Parfait. Lâche. Donc, là on fait 4 séries. Donc 10 moitiés, 10, 10 complets. Et vous partez en négatif. Autant que vous voulez. À l'échec. Tu veux enlever? Il est chaud. Tu veux l'aider? Congestionné le gars. C'est parti. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. C'est bon. Allez. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, c'est parti, complet. Allez, une, c'est bien. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça part en négatif. Allez, putain. Tu reprends. Il t'en reste. Allez, on y va. Une. Deux. Trois. On va. Quatre. Cinq. Go, go, go. Six. Sept. Huit. Reste là. Négatif. Hop. Oublie pas. Maintenant. Allez, c'est bien, encore. Allez, 10, il t'en reste 4, on y va. Allez, go. Pas lourd, gros. Pas lourd, let's go. 4, encore, il y a du jus. Allez, encore. C'est bien, allez. Allez, mon garçon. Allez. Allez, je t'ai pas dit de poser. Reprends ta barre. Allez. Reprends ta barre. Regarde-moi. C'est jamais fini. Non. Quand tu penses que c'est fini, c'est que le début. Allez. Une. Tu vois, il y a du jeu. Tu vois bien ou pas? C'est bien. Encore. Reste propre. Bouge pas le dos. Allez. C'est bien. Reste là. Tu comptes jusqu'à 14. En même temps que tu relâches. Allez. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14. Wow. Putain. My God. Putain. Garçon,
toujours aller plus loin. C'est à partir du moment que tu penses que tu n'en peux plus, c'est là que tu commences à taper dans le mental. Et c'est ça un vrai gagnant. D'accord ? Jamais lâcher. Jamais lâcher. Et toujours faire confiance à ton mental. Au moment où tu sais que tu es au max, que tu n'en peux plus, tu sais qu'il y a toujours le mental pour prendre le relais. Okay. Quand tu arrives à faire le lien avec le mental, tu es un gagnant. Parce que tu commences à avoir confiance en toi. La chose que j'essaye de te dire depuis dès le départ, on travaille le mental et ensuite le muscle. Toujours. Okay. Régis, c'est ton tour. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 négatifs. C'est pas du négatif ça, c'est pas du négatif. Maintenant. C'est 10 négatif. Pourquoi tu as diminué le poids? Alors, tu remets ton poids initial. Je te laisse terminer. Et maintenant, tu repars. Allez, c'est parti. Allez, c'est rien ça. Allez. Tu refais la série. Le mental. Allez, on repart. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez. 1, 2, 3, 4, 5 pouces. Allez, encore. 6, 7, 8, 9, 10 encore. Est-ce que tu vas te tromper la prochaine fois? Non. T'es sûr? Ouais. Ah, je suis pas sûr. Allez, encore. Tu veux tricher? Avec moi? Non. Alors, t'es pas concentré. C'est l'un ou l'autre? C'est lequel? Hein? Rien. Encore. Reste là. Compte jusqu'à 14 et tu relâches. T'es un tricheur? Oui ou non? C'est bon, pause. Allez, compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Pourquoi vous bougez? Est-ce que vous avez regardé la vidéo que j'ai faite avec Sao? Ouais. Sur les pecs? Qu'est-ce que vous avez retenu? Les gars, vous êtes des putains de montagnes. Et en montagne, ça bouge pas. Moi, je suis avec deux mecs comme vous sur la scène. Mais je vous massacre psychologiquement. Toi, t'es là, t'es en train de poser, je viens, je te fais ça, tu t'envoles. Mais t'es où? Mais si
encore une fois, je te fais ça et tu bouges pas, et que je prends un mur dans la gueule, je me dis avec ces mecs-là, je peux pas rigoler. Et je veux me mettre ailleurs. Et c'est toi qui m'as mis un coup psychologique. C'est une question psychologique. La vie est une question psychologique. D'accord ? Et ce n'est pas celui qui est le plus fort physiquement qui va gagner. C'est celui qui est fort physiquement, mais aussi mentalement. Et le mental, ça se joue ici. D'accord ? Ok. Alors soyez concentrés. Et faites le travail. C'est ça qui vous permet d'avoir assurance en vous. Et cette assurance, vous n'avez pas besoin de le montrer, ça se sent. Quand vous arrivez quelque part, que ce soit sur la scène ou ailleurs, quand vous avez fait le travail, quand vous avez confiance en vous, mais pas une fausse confiance, pas une fausse fierté. Une fierté, une assurance qui est venue avec le travail sincère. Ça se sent. D'accord ? Oui, quantité. Alors, n'oubliez pas. Toujours concentré. Toujours. Et toujours le travail. Okay. Allez, Philippe, ton tour. Alors, deuxième exercice est terminé. On va attaquer le troisième exo, les écartés. On va faire 4 séries de développés écartés inclinés en superset avec développés écartés couchés. Encore une fois, quand il s'agit des écartés, ce n'est pas la charge qui est le plus important, c'est comment vous exécutez le mouvement. On va voir ça ensemble. Donc, quand tu es là, ça, ok? C'est parti. Voilà. Une. 2, 3, 4, c'est bien, 5, 6, doucement, écarte, cache-toi, encore 2, pour toi. Maintenant, tu connais. Une pour Philippe. Une pour Stéphane qui a voulu nous lâcher. Et une pour moi. C'est bon. Ça va ? Max! Jam! La team! Six,
7. 8. 9. Tourne bien. Voilà. Encore 2. C'est bien. Dernière. Aéro. C'est bon. On passe à terre. Descends doucement. Allez. Ouvre la cage thoracique. Voilà. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tourne-les, tourne-les. Voilà. Et thoracique. 1, 2, 3, 4, encore, 1, 2, encore, dernier. Allez, remonte. Ça va bien. Très très bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. C'est bien. Bon, Luc, profite quand même des derniers instants avec nous. Bientôt, tu seras en train de filmer Katsumi. Je sais pas si tu prendras autant de plaisir. Sûrement oui, pervers que tu es. Mais en tout cas, tu peux toujours changer d'avis. N'est-ce pas, les gars? Exactement. Voilà. Ok, donc, ça va les gars? Ça va. C'est parti, il nous reste encore 3. Yes. Allez, Philippe, ton tour. Alors, troisième exercice est terminé. On finit la séance par 4 séries de dips, penchant en avant jusqu'à l'échec, pour moins travailler les triceps. C'est parti Philippe, t'es prêt? Pose les jambes, voilà, penche en avant. C'est bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. À quelque chose. Après tu fais ce que tu veux, si tu vois, c'est ta vie professionnelle. Mais en fait, dans la nouvelle aventure que tu vas te lancer, tout le monde connaît les actrices, mais personne connaît les réalisateurs. Alors qu'avec nous, tout le monde te connaît. Je sais pas, on dit ça, peut-être que ça te fera réfléchir. Donc c'est parti, vas-y. Jamais. Penchez-vous le plus en avant pour travailler les pecs, d'accord? Et si vous vous rappelez, dans un de vos programmes, j'avais mis les dips pour les triceps en superset avec kickback. Et là, je vous avais dit,
vraiment rester droit. D'accord ? Parfois, il s'agit de même exercice, mais pas le même muscle. D'accord ? C'est des petits détails. Vous changez votre position, et là, vous travaillez un autre muscle. D'accord ? Là, vraiment, penchez bien en avant. C'est parti, Philippe, ton tour. C'est bien. Très bien, souffle. Voilà. Toujours quand tu fais un peu de retour, essaye de mettre un peu plus de contrôle. Voilà, c'est bien. Très bien. Putain. Allez. Descends. Voilà. C'est bien. Ok. Parfait. Donc là, on fait 4 séries de dips, comme je vous l'ai expliqué. Ensuite, on va faire les abdos qu'on ne va pas filmer. Vous êtes nombreux à me dire, oui, pourquoi vous ne filmez pas les abdos? On va faire durer le suspense encore un peu. Et bientôt, on va filmer les abdos. Donc, on finit les dips et je vous dis à tout de suite dans les vestiaires. Philippe, ton tour. Alors, notre séance de pec a été terminée. Régis, comment tu te sens? Fatigué, mais voilà, je me sens super bien. Merci coach pour cette séance de pec. Ouf. Séance très intense, comme vous avez pu voir dans la vidéo. Franchement, quand je suis avec Stan qui me coach vraiment, c'est pas la même chose quand je suis tout seul. Comment ça, quand t'es tout seul, t'es pas sérieux? Je suis sérieux, mais quand là, tu m'es vraiment allé au bout de mes tripes, me surpasser. Et c'est juste un kiff total, quoi. Sans Estan, je pense pas que j'aurais eu un tel physique. Et franchement, je te remercie pour tout ce que tu as fait. Voilà, comme tu dis, la route est encore longue. Mais avec toi, je pense que ce sera encore plus douce. Donc, merci encore pour ta confiance. J'espère qu'on ira loin ensemble. Bah, écoute, merci à toi pour ta confiance. Je pense que si je suis là ou pas, avec le sérieux que tu as, tu peux aller très loin. Bravo pour le travail que tu fournis. Comme je vous ai dit, il a un physique extraordinaire, très harmonieux, et ce n'est que le début. Je pense que tu peux aller très 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 loin, et je serai là, j'espère, pour voir ça. Philippe, comment tu te sens? Je récupère. Comme vous avez pu le voir, hein, séance de malade. Comme d'habitude avec Essan, hein, des sensations de ouf. Donc Essan toujours là pour booster quand on pense que qu'on a plus de jus, il est toujours là pour il trouve toujours les mots pour nous donner la force d'en faire quelques-unes encore. Et bah, je te remercie pour ça. Sans toi, je ne sais pas si j'y serais arrivé. Et comme je te l'ai dit, je sais que c'est le début d'une grande et longue aventure. Et donc je serai toujours là pour toi. J'espère que tu seras toujours aussi là pour moi. Et on ira loin, il n'y a pas de raison. J'en suis sûr. Bah, écoute, bravo pour le travail pareil que tu fournis tous les jours. Comme je vous ai dit, lui aussi, il possède un physique extraordinaire, très harmonieux. Chacun de ses muscles a une histoire à raconter. Aucun muscle est là pour attraper le retard de l'autre. Il est vraiment complet. Et tu peux aller très, très, très loin dans cette aventure. Et tout ça, tu sais, ça dépend de quoi. Donc, continue à travailler et surtout garder ton sérieux. L'épisode 8 a été terminé. Je tiens à remercier Serge, qui nous a permis d'utiliser sa salle Shipness 1 pour l'épisode 8. C'est quelqu'un de très généreux, très passionné. Et donc, merci vraiment Serge. Merci à vous pour votre soutien. Encore une fois, pour vos encouragements. Je n'ai plus les mots pour vous remercier. Sachez que votre soutien est très, très important. Et ça nous donne de la force pour continuer. Et avancer vers notre objectif qui est devenu un objectif commun. Je tiens à dédier cette séance à Stéphane, à lui, à son physique extraordinaire, qui a pris la décision de revenir parmi nous. Stéphane, sache quelque chose. L'avenir d'un homme ne dépend pas uniquement de ses talents, mais aussi ses choix. Tu as pris la bonne décision, garçon. C'est quand même fou cette histoire. Comment tu as fait?
du jour au lendemain, t'as tout lâché pour aller tout refaire ailleurs. L'Asie, c'est quand même compliqué. Partout, c'est compliqué. Paris, c'est compliqué. L'Asie, c'est compliqué. Maintenant, faut voir quel chemin tu prends. C'est sûr que si tu regardes ton parcours ou mon parcours, moi, je pense qu'il y a énormément de similitudes. Un Iranien qui arrive en France, pour moi, c'est exactement la même chose qu'un Français qui arrive en Asie, comme moi j'ai fait, ou qui arrive dans un autre pays étranger. T'es là, d'ailleurs c'est quelque chose que tu connais, tu parles pas la langue, t'es tout seul, pas de famille, pas de repères, une culture différente. Et on se rend pas compte, mais c'est très 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 compliqué de partir, laisser sa famille, partir dans un endroit où tu dois tout refaire à zéro. En fait, moi ce que je veux savoir, c'est que tu es parti de rien. Je me rappelle à Paris, t'es parti vraiment de rien. T'étais passionné par le sport. Et aujourd'hui, t'as quand même construit un empire pour toi en Asie. Mais quels étaient tes ingrédients? Comment t'as fait? T'es parti de quoi? Je suis sûr que le sport y est pour quelque chose. T'étais quelqu'un de très mental et déterminé, je me rappelle. Mais comment t'as fait? Sur quelle base tu es parti? Franchement, je dois t'avouer, quand je suis parti comme ça, une fois que t'es engagé, une fois que tu t'engages même vis-à-vis de ta famille ici, tu peux pas revenir comme ça. Tu pars, tu peux pas montrer les moments où ça va pas. T'essaies de garder ça pour toi. Et le sport, comme tu dis, c'est pas quelque chose qui a joué, c'était le facteur essentiel qui m'a permis de tenir. Il faut que les gens sachent quand même que le sport permet d'apprendre beaucoup sur soi-même. Et je dois reconnaître que c'est grâce à ça, parce que le sport, c'est quelque chose, même si tu parles pas la langue, dans n'importe quel pays, on pratique tous la même chose. Exactement. Que ça soit la boxe, ou que ça soit le bodybuilding, le fitness. C'est une langue internationale. C'est international. Et on se comprend. Et c'est ce qui m'a permis, les premiers mois, les premiers temps où moi je suis arrivé en Corée, c'est ce qui m'a permis de faire des premières rencontres, des premiers échanges. Même si on ne parle pas la langue, on sait, on voit sur le terrain, sur l'effort, qu'on est tous pareils. Et les gens respectent quelque chose. Les gens respectent le mental. Et respectent quelqu'un qui lâche rien. Et quand à la salle tu te déchires, quand le mec il se déchire avec toi, et que toutes les semaines vous vous voyez, et que toutes les semaines vous vous entraînez, vous suivez ensemble, c'est là que tu te fais des vrais amis. Et c'est ces gens-là qui m'ont permis avec le temps de créer un réseau, créer des amis, et des liens sincères. Des liens surtout. Sincères. Parce que l'effort, dans l'effort on ment pas. Exactement. C'est ce que j'essaie de dire toujours. C'est que ce que j'essaye d'enseigner quelque part sans avoir la prétention, tu sais, d'essayer de raconter un peu mon vécu. C'est pour ça que je dis à mes athlètes, à mes élèves, essayez d'être sincère dans ce que vous faites à la salle de sport. Et cet effort, cette sincérité que vous fournissez aura un impact quoi qu'il arrive dans la vie. Cette rage que vous mettez à la salle de sport, vous vous apprenez au fur et à mesure que la même rage, vous pouvez la mettre dans la vie de tous les jours. Cette haine que vous mettez à la salle de sport, mais encore une fois, une haine constructive. Et la douleur qui va avec. Avec la haine et la douleur, on avance toujours dans la vie. Et on ne fait que construire. Et je pense que c'est quelque part ça aussi qui t'a permis d'être là où tu es aujourd'hui. Et c'est vraiment admirable. Exactement, c'est ça. C'est, comme je t'ai dit, c'est cet effort-là, cette haine constructive, comme tu dis. C'est ces choses que je peux voir aussi. Je me reconnais beaucoup à travers, quand je vois tes vidéos, je vois ce que tu cherches à donner à tes athlètes, ce que tu cherches à faire passer comme message. C'est exactement ce que j'ai vécu ces 4 dernières années, à travers mon parcours, à travers les gens que j'ai pu rencontrer. Parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui, quand ils voient un peu, parce que
faut dire quand même que on a un rythme. Quand tu atteins un certain niveau, tu as un rythme qui n'est pas celui d'un autre. Mmh. Et tu as beaucoup de gens, parfois, moi quand j'allais à la salle, tu as des gens qui justement prennent exemple sur toi, qui après voient ta détermination, voient tes efforts, et après se mettent à reproduire ce que tu fais. Mmh. Et en reproduisant ça, ils se dépassent. Et tu te rends compte que quelques temps après, cette personne-là qui commençait, qui débutait, qui avait rien, tu te rends compte qu'elle est à ton niveau, voire même t'as dépassé. Mmh. Et c'est ça qui est beau. Et ces gens, j'ai eu beaucoup de respect pour ces gens-là. Et ces gens-là ont beaucoup de respect pour toi quand ils voient ce que t'es capable de faire. Et moi, quand je vois tes athlètes, quand je vois ce que tu cherches à transmettre, c'est exactement mon parcours. Ben, c'est ce que j'essaie toujours de dire. Toujours. Essayez qu'un jour la personne que vous considérez comme un modèle devient un concurrent, un adversaire. Et c'est exactement ce que tu dis. Mais en tout cas, je voulais te présenter tous mes respects, l'admiration que j'ai pour ton parcours. Et je dois t'avouer que t'es un vrai garçon. Par contre, c'est simple. Je préfère qu'on me voit pas. T'es pas là pour qu'on te voit. T'es là pour qu'on t'entend. À nous d'en tirer des leçons.